Saint-Pétersbourg est lugubre. Saint-Pétersbourg est triste. Mon caleçon n'est qu'un glaçon et je suis pilonnais. Depuis la Révolution, la vie est tellement triste. Mais avec tous les potins, les journées se passent bien. Hey, savez-vous ce qu'on raconte à Saint-Pétersbourg? Savez-vous ce qui se dit dans les rues? Même si le tsar n'est plus des nôtres, une de ses filles serait vivante. La princesse Anastasia. Ça, c'est un secret. Une légende, un vrai mystère. Chuchotant dans les rues. Allons, on va. Chaque fois, les sept rumeurs est entrée dans un espoir. On dit que sa grand-mère royale paiera une somme royale pour retrouver la princesse au bébé. Pour cette peinture, c'est Romanov, je le sais. Les pyjamas de Youssef ont acheté donc la paire. J'ai trouvé ça au palais et c'est de la vraie fourrure. Ça peut valoir une fortune si c'est un bien à elle. Eh bien, Dimitri, je nous ai eu au théâtre. En fait, tout semble se passer tel que prévu. Il ne manque que la fille. Pense-y, Vlad, on n'aura plus à faire de faux papiers et plus d'escroqueries. Et on a 3 billets pour partir d'ici. Un pour toi, un pour moi et un pour Anastasia. C'est la rumeur, la légende, le grand mystère. Mais la princesse Anastasia nous donnera des ailes. Oui, tous les deux, nous vivrons une belle histoire. Trouve une fille qui interprète et on lui dit quoi dire. Transformée, on l'emmène à Paris. Je vois d'ici la récompense que grand-maman paiera. Il n'y a que nous pour faire un coup pareil. Nous serons riches, nous serons riches, nous serons loin, nous serons loin. Et Saint-Pétersbourg en parlera abondamment.